Si vous êtes à la recherche d'une cuisinière à induction, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais présenter un top 3 des meilleures cuisinières à induction sur le marché en ce moment même. Alors on va commencer tout de suite ce top 3 par le numéro 3 et c'est la Fort cuisinière à induction 3 foyers. Donc cette cuisinière à induction est dotée de 3 foyers indépendants et dispose d'un booster. Le plus grand mesure 21 cm de diamètre et sa puissance ajustable est entre 1800 et 3600 watts. Simple utilisation, elle a mis de touches sensitives qui permettent d'ajuster la puissance de chauffe pour que vous puissiez réaliser toutes sortes de plats. Elle dispose aussi d'un four électrique d'un volume de 50 calitres. Disposant aussi d'un grill permettant de choisir entre 8 modes de cuisson, ce four est plébiscité pour sa polyvalence, sa simplicité d'utilisation et de nettoyage. En effet, elle est munie d'un programmateur électronique d'une fonction auto-nettoyage par pyrolyse afin de limiter les risques de brûlure. Il est équipé aussi d'une porte froide avec 4 verres démontables. Commercialisé à un tarif autour de 660€ sur la plupart des sites de vente en ligne, cette cuisinière à induction Fort est classée A d'un point de vue énergétique. Afin que vous ayez toujours à portée de main les ustensiles nécessaires de l'élaboration de vos plats, un tiroir de rangement est intégré à la façade de l'appareil. Ne pesant que 49 kg, elle est relativement simple à déplacer en cas de besoin. Les plus de cette cuisinière, c'est un programmateur électronique, une porte froide, 3 boosters, un écran LCD et une classe énergétique A. Donc si vous en sortez plus sur ce produit, il suffira de cliquer dans le premier lien dans la description. On passe au numéro 2 et c'est le Electrolux Leiki 64-85-50BX. Donc cette cuisinière à induction se démarque par sa grande vitesse de cuisson et sa faible consommation d'électricité. Elle est classée A+. Elle est dotée de 3 foyers indépendants avec un booster. Le plus grand permet l'utilisation des poêles et des cocottes de grande taille et sa puissance est ajustable entre 3500 et 5200 watts. Afin que vous n'ayez raté aucune recette, les boutons tactiles permettent un ajustement précis de la température. Conçue pour une utilisation familiale, cette cuisinière à induction dispose d'un four à capacité de 73 litres. La porte est équipée d'un système de fermeture douce assisté Velvet Closing. Elle se referme avec douceur et en silence, même si vous la relevez brusquement plutôt. Un écran LCD permet de vérifier le temps de cuisson et une vitre réglable permet au four de s'éteindre automatiquement lorsque la cuisson est terminée. De plus, il se nettoie automatiquement grâce à la fonction Pyrolyse. L'un des avantages de cette cuisinière Electrolux à induction est qu'elle est compatible avec la technologie Opt2Two. Développée et brevetée par la marque. En achetant la hotte de la marque, les deux appareils fonctionnent de concert sans que vous ayez à intervenir lorsque vous utilisez la plaque à induction de la gazinière. L'éclairage de la hotte, ses cloches et les capteurs thermiques s'adaptent automatiquement à la puissance d'aspiration. Les plus de cette cuisinière, c'est un four de 73 litres, 3 foyers avec booster, minuterie programmable, technologie Hob de Hood et nettoyage par pyrolyse. Donc si vous en sortez plus sur cette cuisinière à induction, il suffira de cliquer dans le second lien dans la description. On finit rapidement avec la dernière cuisinière à induction du marché, c'est la Bosch HLR 390020. Donc cette cuisinière à induction se trouvera facilement sa place dans votre atelier, quel que soit le style de votre décoration. Blanche, elle se caractérise par une nase épurée et un fonctionnement intuitif. Seuls 2 boutons et un écran affichage LED rouge sont présents sur la façade de l'appareil. La plaque offre 4 zones de cuisson. Donc c'est la plus grande plaque qu'on ait sur ce top 3. Donc de 14, une de 14, une de 21 cm et deux de 18 cm de diamètre. Elle est idéale pour les casseroles et les poêles de forme ronde et elle est relativement peu énergivore. Polyvalent aussi, le four électrique d'une capacité de 66 litres permet de choisir entre 7 bottes de cuisson, air chaud, air doux, chaleur par le bas, chaleur par la voûte et le bas, et grille à 3 puissances, grille ventilée infrarouge et une position spéciale pour faire des pizzas. La chaleur est réglable entre 50 et 275 degrés et cette cuisinière est dotée d'un système de nettoyage intégré hydrolyse. Donc si vous en savez plus sur cette Bosch cuisinière à induction, il suffira de cliquer dans le troisième lien dans la description pour en savoir plus. Cette vidéo est désormais terminée, donc j'espère que ce top 3 des meilleures cuisinières à induction vous a plu et vous a intéressé. Donc comme je dis dans cette vidéo, si les produits que vous avez présentés vous ont plu, il suffira de cliquer dans les liens dans la description pour aller directement sur la fiche produit et pourquoi pas acheter ces produits. Donc nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour recevoir tous les jours une nouvelle vidéo de vos guides comparatifs de vos objets du quotidien. Donc on se dit à demain, merci, au revoir.